fallait qu'on vive ensemble. Alors on est arrivé à intégrer progressivement 25 000 sortes de cultures. On a adopté cette structure fédéraliste, moi j'aime beaucoup, parce qu'elle empêche l'État de devenir autoritaire. L'Europe d'aujourd'hui impose, autorise, interdit. Et la valtaille subit. Aujourd'hui, nous sommes chez Raymond Jorrand et son épouse Claudine, qui nous ont gentiment accueillis en leur terre de Bretagne Sud. Raymond Jorrand, aimeriez-vous vous présenter brièvement pour nos amis qui ne vous connaissent pas ? Je me considère un peu comme une sorte d'Helvéto-Breton. Helvéto parce que je suis né en Suisse, parce que je suis sensible à la culture, au vécu, aux traditions suisses, je dirais même vaudoises, parce que je resserre un petit peu le champ d'action. Et puis en même temps, je suis breton parce que j'ai découvert ici, pour des raisons qui sont très particulières, mon pays de mes ancêtres. Je m'explique, ça peut sembler un peu curieux. Vraisemblablement, à l'époque de l'Edith Nantes, ma famille est partie de la région de Morlaix, Trébordin, a migré en direction du Larzac, puis de la Haute-Savoie, pour finalement descendre sur Martigny. Là, il y a une scission curieuse. Une partie des Jorrand sont redevenus catholiques, pour une raison qui m'échappe, ont migré du côté de Fribourg, et les purs et durs se sont installés dans le vignoble vaudois. C'est pour cette raison, donc, que je me traite d'Helvéto-Breton. Ensuite, il y a eu dans ma vie un élément déterminant qui m'a poussé à quitter toutes mes origines, toutes mes attaches, tout ce que nous avions. C'est l'annonce d'une mort imminente. Mm-hmm. La vôtre ? La mienne. Oui, j'ai été hospitalisé. Le médecin m'a expliqué que mon pronostic vital était engagé, qu'il me restait entre 3 jours et 3 semaines à vivre. Le choc a été brutal. Et là, mon épouse a eu une réaction de violence et de refus. Elle a décidé de tout quitter. Nous avons vendu ce que nous avions. Elle a renoncé à sa profession et on est venu en Bretagne. Et c'est ainsi que vous êtes aujourd'hui un Breton presque à part entière. On peut le dire comme ça, oui. On peut le dire comme ça. Et vous voyez, le simple fait de relater provoque chez moi une émotion forte. Bien sûr. Bien que sûr. J'ai de la peine à contenir maintenant. Bien. Nous vous remercions de ce partage très, très sincère. Nous allons rentrer peut-être un peu plus dans le sujet de nos interviews maintenant, à savoir la citoyenneté européenne vis-à-vis des cultures, vis-à-vis de l'être humain, de nous tous, les citoyens de l'Europe. Pour vous, Raymond Jorrand, quand nous parlons de culture et que c'est dans un contexte de citoyenneté européenne, qu'est-ce que cela signifie, le mot culture, pour vous ? C'est très difficile à comprendre au niveau européen. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi. Pour moi, la culture, c'est un réservoir d'acquis qui s'est alimenté au ruisseau de l'intelligence, au ruisseau de la spiritualité,
au ruisseau du savoir-faire. S'y associent la tradition, les légendes, la recherche scientifique, savoir de l'artisan. On passe du livre à la truelle, de la charrue au violon. C'est ce tout qui permet de constituer la base fondamentale d'une croyance commune, au fait. Et cette croyance commune est le carburant, mais en même temps le levain d'une société qui est lucide, qui est consentante et qui est surtout solidaire. Parler d'Europe, de culture européenne, ça serait essayer pour moi de réaliser quelque chose de complètement impossible, à savoir identifier ce qu'il y a de dénominateur commun entre le Corse et l'Alsacien. Oui. Pour aller encore beaucoup plus loin, exercice difficile pour moi. Oui, je vous comprends. Mais justement, ce que nous aimerions commencer à identifier avec vous, grâce à cette mixité culturelle que vous avez évoquée, venant de Suisse et vivant en Bretagne, deux cultures régionales fortes mais différentes, ce que nous aimerions évoquer, c'est comment la conscience de ces différences peut nous aider à acquérir une conscience de la richesse de l'Europe au point de vue de ses cultures régionales, non pas d'une seule culture européenne, mais l'ensemble des cultures régionales représente par son cocktail, par sa mixité, sa diversité et son métissage éventuel une richesse. Que pensez-vous de cette approche ? J'ai été fondu dans le moule de la Suisse. La Suisse n'est pas une nation. La Suisse est un conglomérat de plusieurs cantons qui ont des mentalités extrêmement différentes, qui parlent quatre langues nationales différentes, puisqu'il y a le suisse-alémanique, le français, l'italien et le romanche. La possibilité d'être ensemble, c'est probablement de gommer ce qui contrôle et dirige pour redonner la puissance aux cultures locales. Oui. Finalement, la Confédération représente parfaitement ce que pourrait être l'Europe. Oui. À savoir qu'il n'y a pas de pouvoir dominant autoritaire qui décide et qui dirige un peuple en vue de le rendre consommateur, et redonner à toutes les régions la capacité de s'exprimer et de créer. Donc, il n'y a pas de recherche de généraliste d'une culture, mais au contraire, il y a la fortification de toutes ces cultures régionales qui, volontairement et ensemble, décident de se réunir librement pour créer un tout, mais qui n'est pas un tout ni financier, qui n'est pas une puissance guerrière, qui n'est pas une puissance des multinationales, des lobbies qui partent dans la direction du mondialisme, mais tout au contraire, une Europe où Bruxelles devrait devenir un peu la cathédrale d'une spiritualité, devenir le lieu de réunion, un conseil de sages philosophes qui seront les conservateurs des quatre grands sanctuaires, disons, que j'apprécie, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Bruxelles devient les gardiens de ce patrimoine, mais laisse aux régions
qui entendent s'unir ou qui peuvent s'unir comme elles le veulent, par sympathie, par intérêt, par goût, le pouvoir décisionnel. Oui, bien sûr. Donc, si je vous comprends bien, et j'abonderai dans votre sens personnellement, la Confédération suisse, de par sa nature, son essence de confédération, pourrait être un modèle à une Europe qui soit plus humaine et moins jacobine. De toute évidence. D'accord. De toute évidence. Je ne puis qu'abonder dans votre sens. Est-ce que, si nous acceptons que une réforme donc très importante de l'Europe pourrait permettre une approche confédérale qui respecte mieux et le mieux possible les originalités des cultures régionales, de façon à ce qu'elles puissent toutes s'exprimer et toutes participer à la mise en valeur de l'Europe des citoyens, est-ce que dans cette hypothèse-là, vous pourriez nous donner un exemple, si possible personnel, un souvenir ou quelque chose qui nous ferait mieux comprendre ce métissage des diversités et la façon dont elle peut contribuer à mettre mieux qu'aujourd'hui l'être humain au centre des problèmes et surtout au cœur des solutions. Pour réformer ce qui est, je vois l'alternative suivante. C'est un bouleversement, mais drastique, violent, qui passe quasiment par la révolte. Ça ne correspond pas du tout à l'image que je me fais d'un ensemble de peuples qui souhaitent s'unir pour vivre ensemble. En revanche, il y a la solution qui est de très longue haleine et qui ne peut s'installer que sur plusieurs générations, c'est la transformation ou la compréhension de ce qu'est une culture. Il faut donc que les populations européennes, mais aussi les familles remettent un contenu dans la maison familiale comme dans la maison européenne. Il est complètement important de se retrouver un idéal qui oublie ce qu'est aujourd'hui la notion essentielle de l'argent pour retrouver un bonheur plus spirituel. Pour quitter les coffres forts des bourses, des banques, et retrouver les réponses de la nature. Oui. Pour retrouver les réponses de l'homme par rapport à l'homme. Souvent, je me pose des questions qui restent généralement sans réponse. Mais c'est peut-être dans ces vides que se trouve la solution. Et systématiquement, j'arrive à me reposer la question, l'homme sait-il ce qu'il est par rapport à son environnement? Et s'il le savait, le dévoirait-il comme il le fait actuellement? Je vais vous dire un truc, moi. Dans le Morbihan, pas très loin de chez moi, il y a un paysan qui traite ses vaches 3 fois par jour. Le matin, le midi, le soir. Ces vaches sont inscrites dans un labyrinthe de sens, de cellules. Alors on passe de la traite à l'alimentation, à je ne sais pas trop quoi, à la traite, etc. On tire d'une vache 60 litres de quoi? Ah, de quoi? De quoi, oui. D'eau et d'odeur d'aliments composés. Vraisemblablement. Et c'est ce qu'on utilise
pour alimenter les plus pauvres d'entre nous, qui vont chercher dans des grandes surfaces quelque chose d'immangeable. Plus loin, en Normandie, on est en train de mettre en chantier, si ce n'est pas fait, une ferme dans laquelle il y aura plus de 1000 vaches, ou 10 000 vaches, je ne sais pas trop quoi. Comme sur le plateau. Invraisemblable, oui. Mais sur le plateau, il y avait des résistants. Et c'est peut-être à ça qu'ils souviennent, c'est... Je crois que nous comprenons bien, Jérôme, votre répugnance pour une technologie qui déborde et qui quitte justement la perspective humaniste de la société. Mais quand nous avons préparé cette émission, vous m'avez parlé d'un petit exemple historique qui me semble-t-il est intéressant à propos justement de la façon dont on peut arriver à un résultat en respectant plusieurs cultures dans leur rapport entre elles. Tout à fait. L'histoire est amusante. Elle se passe juste après la Seconde Guerre mondiale entre une commune bernoise et une commune valaisanne. La commune bernoise a loué à l'armée un alpage comme terrain d'exercice. Je crois que c'est l'artillerie, les avions venaient pilonner cet endroit. L'ennui, c'est que cet alpage chevauchait les deux frontières cantonales et que les Valaisans n'ont pas vu d'un très bon œil le bruit de ces vampires ou je sais pas trop quoi qui tarissaient la mamelle de leur vache, qui faisaient tourner le beurre ou le fromage, enfin bref, que sais-je. Et là, il y a eu donc une rencontre, une réunion entre les délégués de chaque commune. Alors on monte à l'alpage, on évalue ce qui se passe, et puis le propriétaire de l'alpage, donc le Bernois, s'exprime. Parle en Berntutsch parce que... C'est quoi le Berntutsch? Le Berntutsch, c'est le patois. Le patois bernois. D'accord. Qui est un patois, donc, germanique. Ce sont des germanophones. Oui. Il est chez lui, il parle ça donc, alors qu'il sait parfaitement parler le français. Bien. Le Valaisan, piqué à vif, lui répond en patois valaisan. Bonne guerre. Ce qui veut dire que ni l'un ni l'autre n'a compris ce qui a été dit. Mais, tout de suite, ils tombent d'accord. Ah, expliquez-nous ça. Ils tombent d'accord parce que on discute de quelque chose qui dépasse l'esprit et l'intelligence communale, on dépasse l'intérêt cantonal, pour remonter jusqu'à l'armée. L'armée, c'est l'État. D'accord, la Confédération. La Confédération. Donc, on prépare une fondue. Une fondue. On ouvre quelques bouteilles. De fondant, bien sûr. De fondant. Et puis voilà, tout est réglé. Tout est réglé parce que on sait une chose, et ça c'est suisse, c'est que on ne peut pas ni vivre ni être les uns sans les autres. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas tout avoir. Donc il faut apprendre à être conscient. Ces Valaisans et ces Bernois, finalement, mais ils avaient fait répéter ce qui s'est passé 400, 500 ans avant, ce qui s'appelle, tous les Suisses le connaissent, la soupe au lait de Capel. La soupe au lait de Capel. C'est un moment historique de la création de la Suisse. C'est une anecdote qui est très représentative de la manière dont nous fonctionnons. Alors, Capel, c'est une commune qui se trouve entre un canton protestant, Zurich, qui guerroie contre 5 cantons catholiques, c'est les petits cantons à côté. Donc, entre nous, ça a dit, la première guerre de Capel, il n'y a jamais eu de bataille, il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre. Mais on l'appelle guerre. Si, c'est une guerre, parce qu'il y a le général qui est là,
Puis il y a l'autre qui est là, puis ils discutent. Mmh. On aurait pu faire une bataille. Et puis, alors, on se demande comment va-t-on faire. Il y a un médiateur, c'était le maire, je crois, de Strasbourg, ou je ne sais pas trop où. Et puis voilà, ça parle, ça fait des effets de sabre, des trucs, que sais-je. De ce temps-là, les soldats s'ennuient, puis ils se connaissent bien, ils sont potes, hein. Quelques jours avant, ils étaient ensemble pour aller à faire, je ne sais quoi, avoir une marché une fois, vendre un bœuf, ou acheter un œuf. Et donc, ils mettent un grand seau en bois, ils remplissent de lait, et puis, comme ils ont faim, ils mangent, puis ils mettent des morceaux de pain, et puis ils sont contents. Mais, si le Zurichois, avec sa longue cuillère, dépasse la frontière qui passe au milieu, tac, on lui tape dessus. On fait tomber le morceau de pain. On fait tomber le morceau de pain, et puis on remet tout en ordre. On remet tout en ordre. Et la guerre est finie. En fait, ce que vous me dites là, c'est que ce système a plus de 600 ans. Ouais. C'est donc une tradition de la culture suisse pour régler les problèmes. C'est pas une tradition, c'est plus près de la culture. Le Suisse. Vivre ensemble, la culture oui, en tant que vivre ensemble. Le Suisse s'est construit à partir de Grütli. Le Grütli, c'est une prairie qui domine un peu les lacs de la Suisse primitive, où se sont réunis en 1291, je devrais dire 1291 finalement, ce serait plus sympa, les citoyens d'Aurichwitz-Unterwald. Mm-hmm. Alors ça, c'est les fondements. Tout le monde en Suisse connaît le truc. C'est ça, c'est le fondement historique. Il y a aussi le Gothard. Le Gothard, c'est pas rien. Ce petit peuple construit fort un tunnel oui. qui réunit le nord au sud. Mais en même temps, au-dessus du Gothard, il y a le réduit national. Alors, le réduit national, c'est des fortifications inexpugnables. Personne ne peut attaquer le Suisse qui, avec son Alpenstock ou son Morgenstern, est gardien de cet endroit. Et dans cet endroit, il y a du sucre, il y a de la farine, de quoi il y a de la viande. Contre, j'allais dire, tout l'heure. Très précisément. Alors, vous voyez, d'un côté, très proche l'un de l'autre, il y a le cœur et le ventre. Ce qui montre aussi le bon sens. De toute évidence. Dites-moi, Raymond, vu cette défense que vous venez de faire, cette apologie, je cherchais le mot, de la combinaison entre différentes cultures régionales, qui est bien une façon d'aborder le sujet qui nous intéresse, quelle serait pour vous, comme ça, spontanément, les cultures qui vous intéresseraient de mieux connaître pour avoir un reflet plus large de ce que l'Europe pourrait être? Alors, si je laisse parler mon cœur, mes rêves, mais aussi tous mes désirs utopiques, je dirais que c'est un pays, je ne peux pas le nommer, mais c'est certainement soit l'Irlande, soit la Finlande, éventuellement les Açores. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Plus le pays est transformé en grand champ de culture,
Je vais penser à la Beauce, je vais penser à ces endroits où on a massacré les bocages, ouais, où on a asséché les marais, où on a creusé la terre d'une manière outrancière, on a bétonné. L'homme devient inerte. Il est un peu comme l'eau qu'on a dans nos tuyaux. Elle est... Ouais, on peut dire qu'elle est éventuellement potable. L'homme devient peut-être un peu dans votre esprit comme ces vaches qui ont un circuit sur du béton. Exactement. Et qui n'ont plus de contact avec la nature. Tout à fait. En revanche, l'homme des pays que je viens de citer est un homme qui est confronté à la nature, à la violence des éléments qui le façonne. Le vent a un immense pouvoir sur le mental de l'homme. Il vit les choses différemment. Je vous ai raconté, je crois, le premier contact que j'ai eu avec la falaise. La falaise bretonne, ici même. Impressionnante, de granit, et il y a la vague de l'océan qui arrive et qui bute dessus. Ça crée un choc, il y a des vibrations. Même ici, en temps de tempête, moi, je perçois les vibrations dans ma maison de la vague qui se fracasse. Puis de temps en temps, il y a des vagues encore plus fortes qui emportent l'homme. Un peu audacieux ou imbécile, qui, par curiosité, s'engage dans des petits chemins, ce qu'on appelle les chemins des douaniers, c'est d'ailleurs là où parfois on rencontre l'encou. Mentalement, un jour, je me suis dit, mais ça, c'est la parfaite démonstration, c'est le merveilleux symbole, c'est la belle image de la confrontation d'un caractère contre un autre caractère où ils veulent passer en force. Passer en force. Et je me suis dit, mais couchons la falaise, mentalement. Mentalement, oui. La vague qui arrive s'essouffle, se distrait et se perd dans le sable. Devient presque une caresse. En tout cas, nous, on peut la caresser de la pointe des pieds sans qu'elle nous fasse mal. C'est la même vague, c'est la même verre, le mer, c'est opposé. Le même veau, mais on ne s'est pas opposé. Alors, pourquoi s'opposer quand on n'a rien à prouver, quand on n'a rien à démontrer? Parce que finalement, l'homme n'a jamais tort, l'homme n'a jamais raison, parce qu'il n'a pas à avoir tort ou raison. La vocation de l'homme, c'est d'être avec l'homme. Ai-je bien compris par vos images et les pays que vous avez cités que peut-être un peu grâce à votre long séjour ici en Bretagne, vous avez acquis une conscience du fait que c'est face aux éléments que l'être humain rencontre ses capacités et ses propres limites? Certainement, mais je crois que l'âge m'a aussi beaucoup aidé. Ah oui. Il me semble que vous avez été fort clair, Raymond Jorand, pour continuer, après, pour que nous puissions continuer après vous cette chaîne de l'espoir, de la mixité et de la coexistence des cultures régionales en Europe. Pourriez-vous nous suggérer, un citoyen européen, que nous devrions peut-être interviewer un jour dans le droit fil de ce que nous venons de faire? Il y a un homme qui m'impressionne beaucoup, que j'admire beaucoup, parce que je l'ai beaucoup combattu. C'est dans ma nature de... Avant qu'un candidat, qu'un homme soit agréé dans un groupe ou dans une société ou dans un ensemble, d'être extrêmement vigilant pour que le groupe, la société, ne soit jamais mis en danger par celui qui entre.
Donc, pour moi, au premier degré, le bénéfice du doute profite toujours à l'ensemble que je projette, que je protège. Mmh. Ensuite, si le groupe l'a créé, je suis le premier à le protéger parce que j'étais celui qui l'a le plus combattu. Donc j'en fais, entre guillemets, presque une sorte de filleul. Vous me rendez très curieux, à qui pensez-vous ? Alors, je pense à Pierre Rabhi. Ah. Je pense à Pierre Rabhi. Je l'ai combattu parce qu'il n'était ni de ma race, ni de mon sceau, parce qu'il véhiculait des idées qui ne correspondaient pas à ma région. Donc je pars avec un a priori négatif. Et puis je découvre un homme magnifique. Je découvre un homme magnifique parce qu'il a su associer l'homme, la nature, l'écologie, et mettre tout ça à la portée, disons, des plus humbles. Il est admirable. C'est vrai. Et c'est probablement l'homme que je vous conseillerais, ou que j'aimerais plutôt que conseiller, parce que je n'ai pas à vous conseiller, j'aimerais que vous rencontriez. C'est une très bonne idée. Je n'y avais pas encore pensé, mais il y a un caractère en plus de ce que vous avez cité qui me semble essentiel. C'est que dans tout ce qu'il dit, il y a une amabilité d'approche qui montre qu'il a appris les choses sur le terrain, de façon extrêmement concrète. Je n'ai jamais entendu chez Pierre Rabhi une intellectualisation quelconque. Exact. Exact. C'est une bonne idée. Et c'est peut-être la chose qu'on doit réapprendre. Et là, ça me permet de revenir un peu sur la Suisse. La Suisse, finalement, elle s'est construite extrêmement lentement. Lentement, vous. De siècle en siècle. Sans esprit autoritaire. Et c'est normal parce que finalement, ces choses se sont associées non pas par volonté d'impérialisme, puis ils n'avaient pas non plus à combattre. Ouais, ils avaient bien quelques petits ennemis, quelques petits barons, plus ou moins autrichiens, qui étaient insolents. Mais enfin, on ne s'est jamais trouvé dans des grands mouvements de résistance. Donc si on s'est réunis, c'est par intérêt. Par intérêt politique, tout d'abord. Et surtout contractuel. Hein. Il fallait qu'on soit ensemble. Il fallait qu'on vive ensemble. Alors on est arrivé à intégrer progressivement 25 000 sortes de cultures. On a adopté cette structure fédéraliste, moi j'aime beaucoup, parce qu'elle empêche l'État de devenir autoritaire. L'Europe d'aujourd'hui impose, autorise, interdit. Et la valtaille subit. Parce qu'au fait, nous sommes quasiment que ça. Hein? En Suisse, et je ne suis pas dupe des raisons pour lesquelles les États européens ont court-circuité le droit d'initiative et le référendum. Hein? Taisez-vous. Chez nous, au contraire. Le peuple a cette capacité de tout remettre en place. L'État est la sorte de bon papa, de Père Noé, qui donne la fessée quand un des fils est turbulent, mais qui en même temps donne le sucre à la petite pupusse qui a été battue par le frère qui voulait quelque chose. On vit en paix, on respecte l'État, parce que l'État nous protège contre les outrances de l'autre. Aussi simple que ça. Merci Raymond Jorin. Je crois que nous allons garder cette belle image comme conclusion. Cette idée que
avant tout si l'Europe doit être plus humaine et plus l'Europe des citoyens, notre Europe à nous. Il faut arriver à enlever le jacobinisme centralisateur et le remplacer par des oppositions multiples à tout ce qui pourrait être inhumain. Ramener les politiciens au chaud, mais au chaud, à la charrue, et mettre ceux de la charrue et du travail dans la réflexion de l'ensemble du tout. Bravo, merci beaucoup, et de tout cœur, j'espère que ces échanges inspireront de nombreux amis autour de nous. Merci vraiment, Laurent. Raymond Jorand, quand nous avons préparé ensemble cette rencontre, nous vous avons proposé de réaliser avec vous une autre petite vidéo sur un thème de votre choix, de façon à vous laisser vous exprimer plus librement et plus personnellement sur des thèmes ou un thème tout aussi lié au progrès du bonheur des personnes. Nous vous donnons donc la parole. Pour moi, le bonheur de l'homme est intimement lié à la paix des éléments. Je trouve qu'actuellement, l'Europe castre et lobotomise l'homme. Il le fait parce que son intérêt prioritaire, c'est le profit et le rendement. Participe à des statistiques, mais on ne sait jamais à quoi elles servent. On sait qu'on est important, mais on n'est jamais utile. Parce que finalement, on capte notre innocence et notre naïveté pour en faire un argument de vente. Et je trouve ça absolument insupportable. Mais on en est arrivé là pour une raison simple, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est que l'Europe est vraiment maintenant une maison vide de vertus et de valeurs autres que l'argent. Plutôt que de calculer le produit national brut, moi j'aimerais bien qu'on copie un tout petit peu le bouton et qu'on se préoccupe du produit de bonheur brut. Parce que, dans mon rêve, l'Europe, et ça je vous l'ai déjà dit aussi, ne peut être qu'un aéropage de sages. Et des garde-fous sans armes, des gendarmes écologiques qui évitent les dérives dramatiques que les sociétés, que l'industrie, que l'intérêt, en un mot, provoque au niveau de la pollution, au niveau de la dégradation, de ce qui est. Pour moi, la Terre, mais aussi bien. Alors là, je reviens, c'est sur les quatre éléments. Ce qui est essentiel pour moi, c'est la Terre, c'est l'eau, c'est l'air et le feu. Et là, maintenant, j'analyse un petit peu élément par élément. La Terre, aussi bien en surface que dans ses gisements, ne peut pas appartenir à l'homme, puisqu'elle appartient à l'humanité. Par conséquent, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la vendre, on ne peut pas l'exploiter à des fins personnelles ou des sociétés privées, ce ne peut être qu'à faire d'État. Et l'État ne va prélever dans le sous-sol que ce qui lui est nécessaire. On ne va pas prélever pour de l'exportation pour contrer
telle ou telle société indienne ou chinoise, qui, etc., etc. On reconcentre toutes nos richesses sur notre domaine. Il en est exactement la même chose pour l'eau. L'eau doit être gratuite et à disposition de chacun. Pourquoi elle doit être gratuite? Parce que si l'homme n'a pas accès à l'eau, il n'a pas accès à la vie. Alors, expliquez-moi pourquoi et comment une société, comme certaines savent le faire, qui sont généralement intitulées « Société des eaux », etc., etc., s'empare d'un bien, d'une richesse qui n'appartient à personne, la manipule, la pollue, la neutralise pour la vendre avec profit à celui qui en a besoin. C'est-à-dire que, en toute logique, les SDF ne peuvent boire que dans les flaques d'eau dans le marigot, hein, puisqu'ils ne peuvent pas l'acheter. Tout ça sous couvert quand même d'un service de distribution. Mais encore. Ça me semble tellement louche, cette histoire, qu'on constate que ces sociétés des eaux intriguent, manipulent, distribuent des bakchiches auprès des autorités locales, communales, cantonales, etc., pour avoir le monopole de la distribution. Et sont très peu concernés par les pertes et le gaspillage. Ils s'en foutent complètement. Alors ça, c'est peut-être la première grande révolution. C'est donner l'accès gratuit à l'eau pour tout le monde. Puis on se rend compte que finalement, ce qui concerne la terre et ce qui concerne l'eau, concerne aussi l'air. Je m'explique. Actuellement, moi, dans mon rêve, l'idéal, sortant assoiffé du Sahara, c'est de boire de l'eau du ciel. Bien, si je suis en Europe, je crois savoir qu'il est interdit de consommer l'eau de pluie directe parce qu'elle est non potable et polluée. Bien. À cause des charges. Polluée par qui? C'est en tout cas pas par les anges, hein? Polluée par l'homme. Et on se rend compte, finalement, que l'air aussi appartient à tout le monde. C'est essentiel et fondamental. À partir du moment où ni l'eau ni l'air ne s'arrêtent aux frontières d'un État, celui d'à côté n'a pas le droit de la polluer et de la salir. Hein? Logique. Alors, à partir de ce moment-là, le rôle de l'Europe, c'est de faire qu'au niveau de l'Europe, la terre ne soit pas polluée par des engrais, comme on le voit ici quand même, avec des algues qui polluent les plages, etc., etc. Tout ça parce qu'on veut faire du porc qui est immangeable quasiment, quoi, au niveau de l'éthique, on ne peut plus en manger. Même chose au niveau de l'air. Moi, ça m'amuse quand même, je me rappelle Tchernobyl, hein, où ce nuage s'est arrêté miraculeusement à la frontière. Et puis, finalement, en ce qui concerne le feu, alors le feu, pour moi, c'est l'énergie. Bien. On ne peut pas s'imaginer un village dans lequel une maison soit nucléaire et puis l'autre maison au charbon. Et on ne peut pas non plus s'imaginer que celui qui fonctionne au charbon pollue l'air de celui qui fonctionne d'une autre manière. Partant du principe que l'énergie, je parle là dans le cas particulier de l'électricité, n'est pas un bien de négociable dans ce sens qu'on ne doit pas commercialiser l'énergie, on doit pratiquer de telle sorte que l'Europe soit autosuffisante au niveau de son électricité. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on fait des choix. On va dans une direction, c'est le solaire, c'est le photovoltaïque, c'est les éoliennes, c'est les marées motrices, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, de telle sorte
que l'énergie que l'on produise ne pollue et ne perturbe pas le voisin. Mmh. Voilà. C'est comme ça que j'imagine mon Europe. C'est comme ça que je me dis que finalement, l'Europe, c'est un peu comme le corps d'une belle femme. Expliquez-le. Ça a une bouche, ça a un système respiratoire, ça a un tube digestif, et aussi de quoi procréer bien. Mais c'est un tout. L'Europe ne peut pas être une force de fric, oui, avec des intérêts multiples, divergents d'État en État. Et contradictoires. Et contradictoires, où finalement, la seule chose qu'on essaye de soutenir, c'est l'euro. Oui, et le commerce. Et le commerce. Alors, redécouvrons un petit peu cette forme, ce qui ne nous interdit pas d'embrasser son voisin ou sa voisine. Mais considérons l'Europe simplement comme l'organisme de vigilance et de protection de ce que je viens de décrire. Merci Renaud. Mais pour clore cette présentation fort intéressante, est-ce que vous pourriez ajouter un mot sur l'ancienneté, justement, de cette approche des quatre éléments? Je ne comprends pas très bien le sens d'ancienneté de cette approche. Il me semble que dans la tradition de toutes les cultures, aussi bien extrême orientale qu'européenne, lorsqu'on va au fond des choses, de la naissance de la philosophie, on retrouve ces quatre éléments. De toute évidence. Il y a donc quelque chose, une racine à laquelle vous êtes peut-être sensible et qui soutient cette analyse d'aujourd'hui et des dérives économico-commerciales des règlements européens. Je vais faire un saut immense pour revenir au fait à la même chose. Pour moi, je ne classifie pas les animaux en carnivores, herbivores ou autres. Je classifie les animaux de ceux qui se négligent en souillant leur couche et ceux qui restent propres et qui se déplacent pour faire ce que l'on sait. Les animaux sales sont rares. Les animaux sales sont rares. Alors je pense qu'il en va de même pour l'homme. L'homme, comment voulez-vous que l'homme se respecte s'il ne respecte pas sa couche? Exact. Impensable. Alors, le moyen de se soustraire de ces grands mouvements, c'est de revenir à l'homme de je ne sais pas quand, des cavernes Cro-Magnon, où finalement, il fonctionne à l'eau, à l'air, au feu et à la terre. C'est vraiment revenir à la base même de la vie, revenir à ces quatre éléments, n'est-ce pas? Oui, mais c'est là où se trouve le germe du divin. Et voilà ce que je voulais vous entendre dire. C'est là où se trouve le germe du divin. C'est ce que j'espérais vous entendre dire. Et voilà que vous confirmez que l'approche des quatre éléments et de cette sagesse de base qui devrait nous sembler évidente est en fait aussi la porte à un réveil de la spiritualité en Europe. De toute évidence. Et je vais vous chuchoter que le culte de la nature, le culte des esprits, me semble de toute évidence beaucoup plus important que le culte des religions. Et que finalement, les églises ont peut-être distrait l'homme de son essentiel, c'est la relation directe
entre l'homme et la nature Dieu, ou de l'homme au divin directement, à travers ces éléments qui sont vitaux. Oui. Petite question indiscrète pour clore. Est-ce que l'accueil que la Bretagne vous a offert ne serait pas, d'une certaine façon, un rappel pour vous de la richesse du polythéisme? De toute évidence. C'est vrai. De toute évidence. Le breton est un grand croyant, non pas dans les églises, encore que, mais dans tout ce qui l'entoure. Ici, on parle assez volontiers de l'Ankou. Hein. L'Ankou, c'est le visiteur qui passe sur... Le visiteur du soir. Du soir qui passe sur... Au soir de la vie. Les chemins des douaniers, le long de la falaise. C'est pour cette raison, finalement, que le soir, on ferme les volets. On ne se promène pas sur la falaise. On ne se promène pas sur la falaise. On vit en permanence avec les corrigos, avec les farfadets. Alors bon, certains y croient, d'autres n'y croient pas. Mais la Bretagne aussi, avec le rappel de ces calvaires. Alors on se rend compte qu'il y a deux sortes de calvaires déjà. Il y a les calvaires qui sont construits sur une base celtique, et puis il y a des calvaires qui sont construits sur une base chrétienne. Ces confrontations déjà nous ramènent dans des situations, dans des inspirations différentes. Et puis, le breton est encore un de ces hommes bienheureux qui croient en lui. Un breton, c'est le plus grand dénominateur commun entre les hommes de l'Argoite ou les hommes de l'Armor. Nous sommes paysans, nous sommes pêcheurs, mais avant tout nous sommes bretons. Eh bien voilà, merci de cette façon de vous confier à l'occasion de notre rencontre, et nous espérons vous revoir régulièrement. Merci Raymond Jean.